j'accueille Marilyn Manson. Bonsoir. You guys are talking about drugs. Vous parliez de drogue tout à l'heure. Yes, hein. Yes. Et j'étais même pas encore arrivé. Bonsoir, Marilyn. Donc, vous vous appelez Marilyn comme Monroe et Manson comme Charles Manson. Ça vous est venu comment, cette idée d'accoupler le nom d'un tueur en série sataniste avec le prénom d'une icône glamour de l'Amérique? Je voulais être la meilleure représentation possible de l'Amérique. Votre surnom, c'est Antéchrist Superstar. Ça, c'est bien. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Faut le prouver. Hein? Antéchrist Superstar. C'était le nom, d'ailleurs, d'un de ses albums. La relève est assurée. Yes. Voilà. Et Marilyn Manson est une star donc du shock rock, ce qu'on peut appeler le shock rock. Alors dans la tradition de des Stones avec Sympathy for the Devil. Ensuite il y a eu Black Sabbath avec Ozzy Osbourne, Alice Cooper, les Sex Pistols. Je suis un anarchiste, je suis l'antéchrist. Chanté Johnny Rotten. Alors on est très content de vous avoir ce soir parce que vous êtes une star mondiale, Marilyn. Votre prochain album s'appelle The Golden Age of Grotesque. L'âge d'or du grotesque. Et le premier single est déjà sorti et il s'appelle Mopsin. Juste Thierry, il y a un email qui vient de tomber. Beaucoup de gens règlent leur téléviseur. Tout ça est normal. N'essayez pas. Non, peut-être les que gens les gens viennent maintenant. Peut-être que les gens croient qu'ils regardent deux chaînes à la fois. Une chaîne où il y aurait Maître Capello, une chaîne où il y aurait Marilyn Manson. Pas du tout. C'est la même chaîne, c'est France 2. Bien, donc sortie de votre album, votre nouvel album. Et puis l'autre raison de votre présence ici, c'est le succès mondial du documentaire de Michael Moore qui s'appelle Bowling for Columbine, donc qui a été évidemment primé un peu partout, au César, aux Oscars, qui est consacré aux armes à feu aux USA. Alors, Columbine, c'est une université du Michigan où deux élèves avaient ouvert le feu sur des camarades et on s'était aperçu après que c'était des fans de vous. Voilà, donc c'est deux raisons de... On en parlera plus tard. Deux raisons de vous avoir ce soir. Mais on va commencer par le début. Marilyn Manson, vous êtes né le 5 janvier 69 et votre vrai nom c'est Brian Hugh Warner. That's right. That's right. Votre père était un ancien mécanicien d'hélicoptère au Vietnam. Mais je me trompe jamais moi. He was also également, manager of a furniture il gérait une, un magasin de meubles, Kmart. Kmart. Ouais. Et les seuls moments d'intimité de votre père avec vous, c'était quand il vous emmenait au stand de tir pour vous apprendre à tirer. Ça, c'était un vrai moment d'intimité avec lui. Et puis aussi, il vous emmenait au concert de Kiss. Hein. J'avais à peu près 12 ans et mon père avait justement un maquillage Kiss et m'a emmené au concert dans cette tenue. Et mon papa était cool, hein, ça tient bien. Alors ça c'est votre papa, votre maman c'est l'inverse, elle était très très possessive, très très étouffante comme ça. Et quand vous êtes petit, Marilyn Manson, vous passez beaucoup de temps chez vos grands-parents et vous découvrez la sexualité dans la cave de votre grand-père, voilà. Alors dans la cave du grand-père, hein, ça te plaît cette gêne, hein? Ah là là. Alors dans la cave du grand-père de Marilyn, il y avait quoi, Maître Capello? Dans la cave du grand-père de Marilyn Manson, je me demande. Il y avait des lingeries féminines. Il y avait des godemichés, enduits de vaseline, des godemichés. Vaseline, en effet. Et puis il y avait aussi des photos zoophiles. Hein. Ah, yes. C'est juste, oui, c'est vrai. Drôle de grand-père, with a horse. Ouais. Avec un cheval, notamment. Well, the thing was, when I was a kid, voyez-vous, quand j'étais gamin, mon grand-père me paraissait monstrueux. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que mon grand-père était... Ben, je suis comme lui, hein. Donc il n'est pas si mal que ça. Ouais. But I don't like the enfin, disons animals. Que j'aime pas trop les animaux, enfin les films, la zoophilie, c'est j'aime pas trop. Ce qui n'a pas tiré un cheval dans sa vie. Ouais, c'est vrai. Enfin, jeter la pierre, non. J'aime vous voir rire, son père. Alors donc, vous allez à l'école, à l'Heritage Christian School, hein, et là, évidemment, vous on vous a... Dit, pardon, parce qu'il a aussi agrégé d'anglais. Il fort bien. Ah. Agrégé d'anglais. Je sens que je vais m'en faire un ami de Capello. Merci, maître. En plus. Donc, voilà, vous allez dans cette école donc, où on vous inculque des valeurs fondées sur l'antéchrist et sur l'apocalypse. Alors, évidemment, ça travaille hein, dans votre tête. Vous essayez de vous adapter à l'école, hein, vous essayez de vous adapter. Et un jour, vous leur apportez une photo. C'est des nuages dans le ciel qui représentent un ange.
Et lui, il pense, right, right, il pense, yeah. Hein, vous pensez leur faire plaisir. My grandmother gave it to me. C'était ma grand-mère qui m'avait donné le, cette image. Ils m'ont dit que c'était un faux. Et donc, c'était la seule fois où j'essayais de m'intégrer vraiment dans ce milieu. Quand on m'a dit que tout ça c'était du bidon, bah, j'ai arrêté. J'ai arrêté de croire ou d'essayer de croire à ce qu'on me racontait. Et alors, au lieu de vivre dans la peur, d'avoir des cauchemars, bah, j'ai décidé de devenir ce dont j'avais peur, justement. Voilà. Alors là, c'est la révolte. Dès l'âge de 12 ans, vous vous révoltez et vous êtes attiré par tout ce qui est interdit. Vous êtes à l'époque, vous êtes maigre, vous êtes couvert de boutons, vous êtes toujours tout seul. Enfin, vous avez une adolescence. Ça, c'est assez terrible, non? Disons que moi, je me sentais invisible, transparent. C'était pas que j'étais rejeté, j'étais vraiment invisible. On ne me voyait pas. Et ça n'est qu'à travers la musique ou l'écriture. Quand j'étais gamin, je me suis dit que je serais artiste ou écrivain. Je pensais pas que j'allais chanter parce que je ne savais pas chanter, mais bon. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ma propre voix. Hein. J'ai créé mon monde. Et alors là, en compagnie d'un certain John Crowell et de son grand frère, au lycée, vous commencez à vous intéresser aux sciences occultes. C'est bon, aux occultes, c'est bon. Occultes. Avec un Z. Il a fait une bonne liaison. Aux sciences occultes. Ouais, ouais. Je crois qu'on va foutre de la thune dans le noir, là. Hein. Ouais. Mais c'est bien, parce que comme ça, ça cautionne et tout. Ouais, comme c'est ça, le service public, bien. Là, c'est une très bonne idée, Laurent. C'est le service public. C'est le service public, ouais, c'est voilà. Bien. Donc, vous intéressez, avec ce dénommé John Crowell, aux sciences occultes, aux doctrines sataniques. Hein. C'est l'époque où vous visitez Disneyland sous acide. C'est à propos de cette émission, on rappelle un peu cet épisode un peu surréaliste. Et là, vous faites de la scène, donc c'est le scandale, évidemment. Vous masturbez sur scène un faux pénis qui éjacule un liquide improbable. Vous jetez des... Qui n'a pas eu recours à un accessoire, tu dirais. Vous jetez des poulets vivants au public, mais c'est vrai que c'est le public qui les égorge. Alors, Marilyn... Au sujet de votre cinquième album, sur le précédent, vous avez déclaré « C'est l'histoire d'un innocent qui veut faire partie d'un monde qui ne l'accepte pas, il se bat, il découvre sa révolution et finit par devenir un objet marketing ». Aujourd'hui, vous êtes devenu un objet marketing ? On a essayé de reprendre ce que je fais, de l'exploiter et d'en faire, disons, une marchandise. Et puis, il y a l'affaire donc de Columbine, donc cette université du Michigan, où deux fans ouvrent le feu sur leurs camarades et les médias américains vous accusent. Alors, vous répondez, on ne peut pas accuser Shakespeare de pousser les gens au suicide parce qu'il a écrit Roméo et Juliette. Enfin, c'est vrai quand même que les gens qui ont tiré sur leurs camarades étaient des fans de Marilyn Manson. En fait, il fallait un coupable. Donc on m'a brandi un peu comme étant cette effigie du coupable et j'ai décidé de ne pas répondre à tout cela parce que je ne voulais pas justement me mêler, alimenter cette flamme. Les gamins voulaient justement acquérir une espèce de célébrité malsaine. L'Amérique leur a donné justement ce qu'ils recherchaient et je ne voulais pas y contribuer. Donc on a associé le nom Marilyn Manson à cette horreur et en fait Marilyn Manson est devenu le produit de Columbine. C'était ironique, mais en fait c'est quand même assez injuste d'être attaqué par mon propre pays. Et l'interprète est excellent. Ah, l'interprète, oui, bien sûr. Il a dit actuellement, ouais. Il n'a pas traduit vêtement par actuellement, ouais. Mais en fait, ouais. Voilà la finesse. Vous dites que cette histoire finalement permettait d'oublier Monica Lewinsky, parce qu'à l'époque c'était le grand scandale de Monica Lewinsky. On oubliait aussi grâce à ça les bombes balancées sur le Kosovo. Et vous dites c'est moi qu'on accuse de provoquer un comportement violent, alors que finalement à la même époque les États-Unis bombardaient la Yougoslavie. Absolutely. Exactement. D'ailleurs, on peut en dire autant de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire qu'on va continuer à censurer mes mots ou mes images ou ma musique. Mais en fait, il y a une véritable duplicité du gouvernement et moi, mon rôle, c'est justement de mettre cette démarche au défi. Il faut que moi, si l'Amérique représente la démocratie, moi, je dois représenter la liberté d'expression. S'il n'y avait pas quelqu'un comme moi, il n'y aurait personne justement pour remettre en cause les fausses idées. C'est à moi qui revient le rôle justement de remettre en cause certaines politiques, certaines valeurs. Ce qui ne veut pas dire que je déteste l'Amérique, mais je l'accepte pour ce qu'elle est. Et mon rôle, c'est d'en faire un pays plus intéressant, plus divertissement, en étant beau gosse. D'accord. Alors,
Alors, dans le film, quand Michael Moore vous pose la question, il vous dit, qu'est-ce que vous diriez aux lycéens de Columbine? Et vous répondez, je les écouterai, ce que personne ne fait. Yes. It's something that I've been saying. En effet, et c'est quelque chose que je dis depuis le départ, même avant l'incident de Columbine. D'ailleurs, c'était pas la première fois qu'une telle tragédie se produit. C'est pas moi qui ai inventé la violence, et c'est pas non plus les gamins de Columbine qui ont inventé la violence. L'humanité a cette tendance, une tradition de s'auto-détruire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours évoqué dans ma musique. Alors, c'est quand même assez curieux qu'on me montre du doigt, parce que tout ce que je dis, tout ce que je chante, c'est un commentaire sur cette triste réalité. Et il est vachement sage, hein, hein. Moi, je trouve. C'est con qu'elle ait perdu une lentille, ça se voit un peu. Bien, ben merci beaucoup, Marilyn. Merci d'avoir été avec nous. Bye bye. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.